Chers auditeurs, bonjour. Nous avons vu au cours de la dernière émission que le salut par la seule grâce de Dieu est l'une des bases de la réforme protestante. C'est-à-dire que les protestants, depuis le XVIe siècle, depuis qu'ils existent, croient que les humains sont sauvés non pas parce qu'ils vont faire des sacrifices, parce qu'ils vont mériter l'amour de Dieu par leurs propres bonnes œuvres et bonnes actions, mais que Dieu les sauve gratuitement parce que lui est bon et qu'il donne gratuitement son amour, son salut aux humains. Alors ce principe n'est pas sans conséquence, il a des conséquences radicales sur toute la religion. Par exemple, pendant la période du carême, puisque nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, sauvés parce que nous allons gagner notre salut par des jeûnes, des privations, des expiations de péchés et autres mortifications. Rien de tout cela ne nous est demandé. Parce que nous n'avons pas à gagner notre salut de cette façon, il n'y a par exemple, en principe, dans le protestantisme, pas de jeûne. Alors ça semble, en 21e siècle, un petit détail et une nuance, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les gens jeûner et se priver pendant la période du carême. Mais ça avait au début de la réforme une importance radicale, et l'importance existe toujours dans ce que ça signifie pour nous et nos convictions. Ce n'était pas une simple petite nuance, un petit détail de jeûner ou de ne pas jeûner au XVIe siècle quand la réforme est apparue. Les protestants risquaient leur vie pour leurs convictions. Par exemple, Zwingli, ça s'écrit Z-W-I-N-G-L-I, si vous avez envie de vous renseigner sur ce personnage. C'était l'un des réformateurs aux côtés de Luther, Calvin et beaucoup d'autres. Il y avait entre autres Zwingli en Suisse. Et Zwingli avait fait un scandale en 1522 à Zurich en distribuant des saucisses pour le carême. Oui, des saucisses pour le carême. Ce n'était pas une plaisanterie. C'était une façon de dire « Nous sommes sauvés grâce à Dieu et non pas grâce à nos privations ». Et c'était un acte tellement important que la ville de Zurich s'est retrouvée sans dessus-dessous. C'était un scandale, il y a eu des débats, des discussions. Et c'est comme ça que la réforme protestante s'est implantée à Zurich et a commencé à Zurich. Il y a aussi, toujours dans la même optique, par exemple le poète Clément Marot, le célèbre poète Clément Marot, qui a été enfermé et torturé au Châtelet, à Paris, qui était à l'époque une prison en 1526, pour avoir simplement mangé du lard pendant la période de carême, puisqu'à l'époque, on n'avait pas le droit en France d'être autre chose que catholique romain. Clément Marot était protestant. Alors le carême, ce n'est pas pour nous, protestants, le moment de s'humilier, de s'affaiblir par des privations, de se mettre à genoux pour expier nos péchés. Non, pour nous, la foi, c'est tout le contraire. Il ne s'agit pas d'expier quoi que ce soit, Dieu nous a pardonné. Il s'agit de lui dire merci. Il ne s'agit pas d'être à genoux, mais de nous relever grâce à la force qu'il nous donne et au bonheur de son pardon. Il ne s'agit pas de nous affaiblir, mais de prendre sur nous la force qu'il nous donne pour mener les combats qu'il souhaite dans le monde. Il ne s'agit pas de nous humilier, mais de dire merci pour cet honneur immérité que nous avons d'être considérés par Dieu comme ses enfants, ses propres enfants. Et tout cela, ça nous aide à vivre. À bientôt.